sa 66e semaine de travail par une visite du site où sont exécutés les travaux de développement de la zone économique spéciale de Maluku, étendue sur une superficie totale de 885 hectares. Chérubin Okende était accompagné de l'ambassadeur de la RDC en Afrique du Sud, Fidel Moulaja, du directeur général intérimaire de Transco, Chief Chipamba, du conseiller principal du premier ministre en matière de transport, Ewing Yanda, et d'une forte délégation des étudiants représentant tous les établissements du pays. À son Excellence, Monsieur le Président de la République, chef de l'État, avait décidé, comme vous le savez, de dédier Transacadémia aux étudiants de la République. Et dans cette mise en œuvre, nous avons déjà les premières commandes qui vont être honorées bientôt. Avec la collaboration du ministre national chargé de l'industrie, nous avons choisi cette zone économique spéciale pour l'implantation de cette usine de montage de bus chez nous. À la ZES Maluku, le ministère des Transports va développer trois grandes unités de production. Les sociétés Busmark et Volvo Marco Polo installées en Afrique du Sud vont faire ici des usines de montage des bus et fournir à Transco. C'est une des retombées de la dernière visite effectuée par Chérubin Okende en Afrique du Sud à l'initiative de l'ambassadeur Fidel Moulaja. La société chinoise C2Star, qui elle va fournir les bus Transacadémia, commence déjà le travail ici la semaine prochaine. Ayant été rassuré en voyant les lieux qui va approvisionner Transacadémia des engins et avec les 120 bus qui arrivent incessamment pour s'ajouter aux 100 premiers déjà livrés, les étudiants ont loué cette action du chef de l'État. Le géniteur de Transacadémia, vous le connaissez. C'est le président de la République, son Excellence Félix-Antoine Tshisekedi de Tshilombo. Béton. Il m'avait instruit de vous associer au fur et à mesure pour éviter la médisance. J'ai voulu que vous soyez associé à cette démarche pour que vous assuriez aussi le suivi.